Ok, on perd pas de temps, c'est l'heure du Jumpball avec Trash Talk et Unibet, saison 2, les copains et les copines. Et oui, la dernière, on vous en a mis plein les poches, on ne change pas le concept. Un petit match pour Alex, un petit match pour Ibi, des pronostics, c'est parti. Cette année, on a décidé d'être très sérieux. Sur chaque match, une grosse analyse ultra fine. D'ailleurs, on va rejoindre Alex tout de suite. Alex, est-ce que tu as bien bossé ton pronostic pour aujourd'hui, s'il te plaît? Ça reprend les Jumpball? Parce qu'en fait, Bastien, tu peux meubler, s'il te plaît, quelques minutes? Ok, super Alex, nickel. La tomate. La tomate, ce n'est pas un légume, c'est un fruit. Autre petit conseil cuisine, lorsque vous coupez des oignons, n'hésitez pas à... C'est bon, merci, on a compris. Il est relou le texte, ces tomates, là. Bref, je vais parler un peu de basket. Ce soir, je vais m'intéresser de très près au déplacement des Blazers chez le Thunder. 3 cotes sur ce match. Et on part sur un full Damian Lillard. Première cote, Damian Lillard, au moins 6,5 passes décisives sur ce match. On y croit, il a perdu au dernier match, il va se défoncer le Damien. Deuxième cote, la performance de Damian Lillard, au moins 38,5. Je rappelle, performance, c'est points, plus rebond, plus passes décisives. Et enfin, la cote qui emmène tout le monde à l'île Maurice, Damian Lillard au moins 25 points, plus la victoire des Blazers. Super Alex, tu t'es vachement bien rattrapé. Ce soir, personnellement, je vais partir sur le match entre Milwaukee et Boston, c'est au TD Garden. Grosse affiche, retrouvaille après le tour de playoff de la saison dernière. J'ai 3 petites cotes pour vous, je vais vous montrer ça tout de suite. Cote numéro 1, victoire des Bucks à Boston. Je pense que la domination des derniers playoffs va se poursuivre même s'il y a eu quelques changements d'effectifs. Cote numéro 2, on va partir sur monsieur Chris Middleton qui va mettre la vingtaine de points gentiment sur la défense de Brad Stevens. Et enfin, cote numéro 3, personnellement je pense que Giannis va mettre minimum 25 points et Milwaukee va donc s'imposer. Si vous êtes croyant en Giannis et ses copains, allez-y les yeux fermés. Du coup, on va vous montrer tout ça sur le grand tableau. Est-ce que vous allez être sur la team Alex avec le match entre Blazers et Thunder à OKC? Est-ce que vous allez être sur la team Bibi avec le match entre Celtics et Bucks à Boston? Dites-nous sur quel match vous allez parier. Excellente nuit NBA à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Jumpball. Ciao!